Bien le bonsoir, les petits cailloux, c'est Pierre qui roule, votre serviteur, ch'tioubiloute, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Ce soir ou ce matin, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo YouTube. Eh bien, on va faire un test des tests. Encore un test des tests. Eh ouais. Un test des tests d'un récent ajout. Quand je dis récent, il est arrivé aujourd'hui, 22 novembre, sur le Game Pass. Est arrivé Battlefield 2042. C'est triste pour ceux qui sont sur Xbox, qui l'ont acheté. Mais en même temps, ils l'ont acheté il y a plus d'un an. Donc, c'est amorti depuis, je pense. Bon, d'après ce que j'ai compris, ce jeu est un jeu de merde. Donc, c'est même pas une question, est-ce que c'est un jeu de merde? Non, non, c'est un jeu de merde. Donc, évidemment, il a toute sa place sur le Game Pass de Microsoft Xbox. C'est d'ailleurs pourquoi il sort sur Xbox... sur le store Xbox, sur le Xbox Game Pass, pardon. On comprend mieux. Et ça conforte bien l'idée que ce que je disais, c'est que le Game Pass, c'est 99% de jeux de merde. Voilà. Et donc, le récent ajout de Battlefield 2042 en jeu de merde 500 000% qui arrive sur le Game Pass. Voilà. Alors, allons-y. Connexion au serveur en ligne. On va tester rapidement ça. Alors, si ça dure plus de 5 minutes, c'est moyen plus. Si ça dure plus que 10 minutes, c'est déjà très très bon pour moi. Qu'est-ce que ça va être encore cette connerie encore là? Ouais, bah bien sûr, si t'acceptes pas, tu peux pas jouer. Alors, t'as l'air bien toi! T'es bien! T'es obligé d'accepter sinon tu veux jouer, sinon tu peux pas jouer. Gong. Le champ de bataille saison 3, plongé dans la saison 3. Ouais, bah là là là, achetez les autres passes. Regardez le trailer, comme ça, ça va me permettre d'aller pisser un coup. Et de vous laisser regarder le trailer avec joie et délectation. Amusez-vous bien. Rectification, non, n'allez pas regarder, on va pas regarder le trailer, parce que pourquoi? Parce que regarder le trailer, c'est, ça se lance une page Internet Explorer ou Microsoft Edge, du style à aller regarder sur YouTube. Inintéressant. Alors, Battlefield, Conquête, Percée, Ruée, Portal, Art Zone, ouais, on s'en fout. Est-ce que collection? On peut changer de personnalité parce que bon, la Black Ost là, gonzesse, une gonzesse ça me dérange pas, mais bon, personnellement je préfère une gonzesse blanche que noire. Là c'est quoi? Un mec avec un casque, on s'en fout, on dirait dans Rainbow Six. Bon, le mec il est moche. Là il est grisé, donc si je comprends bien, on peut pas l'avoir. Celui-là, niveau 16 requis, palier de combat, ok, personnaliser celui-là. Putain, mais encore un noir, mais putain. Oh la gueule des persos, putain! La rigueur, ça concesse là. C'est quoi ça? Ingénieur, fortifié, imprimé, tirer un missile en difficulté, en contrôle manuellement. Ouais, pourquoi pas. Drone de reconnaissance 1, partez de reconnaissance sans vous mettre en danger. À la rigueur, éclaireur, ok. Ok, super. Drôle de gueule celle-là. Ouais, ça, ouais. On s'en fout, voilà, LT équipement, type asso, type médecin, type ingénieur, ouais, c'est... vous allez jouer au Battlefield? Bah c'est pareil, vous avez mis ce jeu là, moi personnellement j'aime pas les Battle Royale, donc chef de meute, ça m'intéresse pas du tout, gratuit, ok, oh c'est encore des passes de combat à la con. Donc voilà. Ouais. Et donc, on a dit qu'on allait changer de personnage. On est obligé de prendre celle-là ou quoi? Mais putain, mais c'est quoi ce bordel de merde? Je vais prendre celle-là. On peut pas prendre celle-là? Voilà. On peut prendre celle-là. Et ben voilà, déjà, c'est vachement mieux. Vachement mieux. Ouais. Et on va jouer avec celle-là. Voilà. Excellence obtenue 0200. On va lancer Conquête ou percer Conquête. Conquête de fer 24 sur 7. Ouais, solo cop, on s'en fout. On va faire conquête. Hein? Conquête, c'est quoi? 64-64. Bon, vas-y, c'est bien. Allez, on lance ça. Moi, je m'en profite, je ferme le casque et je vais pisser.
Oh que c'est mignon, oh que c'est mignon, c'est mignon, youpi, on y va. Enfin, si c'est mignon, ça va, hein. Alors, on va se faire tuer toutes les 5 secondes. Oh, la musique, qu'est-ce qu'elle est forte, ça fait chier. Elle est où, l'option, là? Y'a pas d'option, là? Ça donne pas vraiment envie, hein, je te le dis. Hein. Oh non, pas envie du tout. C'est quoi ça? Ouais, ça fout. Grenade envoyée! Là, y'a un truc. On voit rien, c'est les gars qui aiment bien jouer à des cartes immenses, ils vont être contents là. Ceux qui ont l'habitude du Battle Royale, ils vont être contents de jouer à des jeux de merde pareil. Putain, les ennemis sont à pétaouchnok. Je suis sûr que je vais me faire défendre, c'est la gueule par un sniper. Je vois rien, moi. À 100 degrés, une menace. Ça va être pas mal de jouer à plusieurs là-dedans, mais en groupe, je pense. Je vais rien dire, hein, les graphismes, ça va. Hein. C'est pas super beau, mais c'est pas non plus ultra moche. Et c'est bien éclairé. Donc ça va, on va dire. Mais bon. Par contre, on voudrait bien voir des ennemis, mais. Je sais pas. Je sais pas où sont les ennemis. Je sais même pas sur quoi je tire. Même pas sur quoi je tire. J'en sais rien. Ah, enfin, les couleurs sont pas trop mal, hein, y a pas à dire, mais bon. Je vois aucun ennemi, moi. Vraiment nul à chier comme jeu. Franchement, faites pas chier à jouer à ce jeu-là.
Jouez plutôt à Call of, hein. Vous allez vous éclater. Hein. On voit rien. C'est des grandes cartes avec plein de monde autour. On voit que dalle. Ouais, c'est ça. La vraie merde, ce jeu. La vraie merde. On pouvait réapparaître sur vous, vous voyez, voilà. La broye dans le tank. Je n'y vais pas. Bien sûr, le mec avec un petit sniper est buté à char. C'est réaliste comme jeu. Ah putain, quel jeu de merde. Vraiment, quel jeu de merde. Bon, c'est pour vous montrer, hein, c'est vraiment pas mon jeu. Voilà, regardez, vous faites déjà flinguer. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde. Putain, on peut quitter la partie. Ouais, là, là. Oh là 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 là. Allez, je comprends qu'il a été catalogué comme jeu de merde. Battlefield 5, c'était vachement bien. Ce jeu-là, c'est vraiment de la merde. Récompense débloquée. En plus, avec des skins de merde. Mais gamme-moi la mocheté. En quoi c'est réaliste un skin de merde pareil. Oh là 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 là. Oh là là là. Putain. Bon, sur ce, hein, en, vu que c'est un game prout, c'est pas étonnant de voir un jeu de merde débarquer sur un game prout. Ah, qu'est-ce que tu crois? Ha. Sur ce, vous avez compris ce que c'est comme jeu, hein. On va pas s'emmerder. 72 gigas. Quand vous avez la fibre, ça s'installe rapidement. Voilà, on est à 14 minutes de game, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de parlotte. Mais en fait, ce jeu, je le désinstalle, ça va me faire 70 gigas d'économiser. Et quand on voit les... Pff, oh là là, qu'est-ce que c'est comme merde comme jeu. Putain, mon de Dieu. C'était vrai. J'ai joué à Battlefield 5 et ben je préfère de loin Battlefield 5. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Puis la gueule des personnages. Gardez-moi ça, mais ils sont moches. Putain. Oh là 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 là. C'est un jeu Xbox One ou 360. Rassurez-moi, c'est pas un Xbox Gen, hein. C'est pas possible, hein. Allez hop, sur ce, à plus l'Airbus, les jeunes. Jeu de merde, poubelle.